Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous sur un thème de l'actualité qui, qui nous concerne tous. Vous avez certainement suivi l'actualité ces derniers temps, ces derniers jours. Et si c'est le cas, vous vous êtes rendu compte que ces derniers temps, l'actualité est très mouvementée. Il s'en passe des choses dans le monde en ce moment. Entre la déclaration du président Trump sur Jérusalem, il reconnaît ce qui est évident, la capitale d'Israël s'appelle Jérusalem. Entre la déclaration du président Trump qui a créé des vagues incompréhensibles d'un point de vue rationnel dans le monde entier, entre cela et les menaces grandissantes de la Corée du Nord entre l'instabilité du monde dans lequel nous vivons où il y a des feux des foyers qui s'allument à gauche à droite l'actualité récente c'est aussi la mort d'un écrivain de qualité Jean Dormesson et puis faut-il encore rappeler la mort de Johnny Hallyday L'actualité se bouscule, ça va dans tous les sens. Et dans le monde, il y a une effervescence. Le monde est en mouvement. Il s'en passe des choses autour de nous. En Belgique, par exemple, il y a quelques jours, des chercheurs ont trouvé une nouvelle molécule qui empêche le cancer de se généraliser. Il s'en passe des choses dans les laboratoires, il s'en passe des choses à partir d'une plante, d'une plante qui, est, euh, qui pousse en Indonésie. Ces chercheurs de, de Louvain ont trouvé une molécule qui empêche les métastases de se développer. Alors toutes ces nouvelles, qu'elles soient tristes ou joyeuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont en commun l'espérance. L'espérance est un thème qui touche tous les êtres humains. Il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans le cœur de chaque personne ici dans cette Église, il y a dans le cœur de l'humanité entière un élan d'espoir. On est créé avec ce besoin d'espérer. Par exemple, tout le monde espère que la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique ne déclenchent pas une guerre nucléaire. J'espère que vous l'espérez. Tout le monde espère. Et on espère encore que des chercheurs, et on a la fierté nationale, la fierté belge, d'avoir des chercheurs de haut niveau qui trouvent des remèdes. Et on espère qu'à l'avenir, il y aura encore d'autres découvertes qui feront reculer la maladie. Même au funérailles de Johnny Hallyday, lorsque j'ai vu quelques images ici et là, j'ai trouvé qu'il y avait un élan d'espoir de voir toute cette masse qui s'est rassemblée pour rendre un hommage. En réalité, les amis, nous ne pouvons pas vivre sans espoir. Nous ne pouvons pas vivre. Quelqu'un dit qu'on pourrait vivre 30 jours sans manger, on peut vivre 3 jours sans boire, on peut vivre 3 minutes ou plus sans respirer, mais on ne peut pas vivre un seul instant sans espérer. L'espoir est le ressort de l'âme. L'espoir est véritablement ce qui nous maintient en tension, ce qui nous fait espérer, ce qui nous fait croire, ce qui nous fait attendre que demain sera meilleur et pendant 2000 ans, le peuple juif a crié de tout son cœur, c'était espoir vers Jérusalem et depuis 2000 ans les juifs qui se saluent se saluent en se disant l'année prochaine à Jérusalem terre d'espérance pour tout un peuple nous espérons pour nous-mêmes si nous sommes malades nous espérons être guéris Julien a demandé l'onction d'huile parce qu'il espère être restauré. Nous espérons, si nous avons des difficultés financières, nous espérons que notre situation va s'améliorer. Nous espérons, c'est normal, c'est naturel. Nous espérons, si nous rencontrons des difficultés, c'est tout à fait naturel d'espérer. L'espérance, l'espoir, c'est véritablement le ressort de l'âme et celui qui perd l'espoir. A tout perdu en réalité. Il y a quelques jours, je me suis retrouvé devant une personne qui avait perdu tout espoir et qui a encore à l'heure actuelle perdu tout espoir. Et quand l'espoir est mort, alors il n'y a plus de vie. Cette personne m'a dit à l'extérieur de mes fenêtres lorsque j'ouvre les rideaux, il y a la vie, mais moi je ferme les rideaux parce que ici de mon côté je ne suis pas dans la vie. Comprenez que l'espérance est véritablement ce qui nous maintient, ce qui, même dans la difficulté, même dans l'adversité, nous avons le besoin d'espérer. C'est véritablement quelque chose qui est comme un détonateur au fond de notre cœur. Mais j'aimerais vous dire et vous poser la question ce matin à chacun d'entre vous, qui parmi nous pourrait dire ne jamais avoir été déçu et toujours réaliser pleinement toutes ses espérances Un imprévu dans la vie peut vous faire basculer. Un accident peut complètement compromettre les plans que vous aviez élaborés. Un mauvais calcul, un mauvais investissement financier peut véritablement embarquer toute votre famille dans une crise financière majeure, un échec, la maladie, l'épreuve ou même la mort. Et voilà que l'homme qui est spécialisé pour élaborer les plans les plus, les plus ingénieux, même les plans les plus sophistiqués peuvent s'effondrer parce que ton espoir n'est pas satisfait. Un accident peut venir complètement changer la donne. Les plans les mieux élaborés peuvent s'effondrer comme un château de cartes, comme un château de sable. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'attendre quelque chose qui n'arrive pas vous attendez une solution à un problème et vous ne la voyez pas, vous ne, vous ne trouvez pas cette satisfaction. Vous attendez quelque chose peut-être de quelqu'un. Il y a des personnes dans cette église aujourd'hui, en ce moment, qui attendent quelque chose de la vie. Peut-être que vous attendez quelque chose de la vie et ça n'arrive pas. Et j'aimerais alors vous poser la question, quand vous attendez quelque chose de la vie et que ça n'arrive pas, qu'est-ce que ça provoque en vous quel est le sentiment que ça génère en vous En réalité, déception, tristesse, frustration, amertume, colère. Et dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à la révolte. Alors dans ce moment-là, tout ça en crescendo, vous entrez dans un mauvais cycle de la déception initiale. Cette déception peut devenir une tristesse qui vous, qui vous, qui vous peine, qui vous, qui vous euh, paralyse complètement. Cette tristesse va devenir une frustration et cette frustration peut même devenir de l'amertume, de l'amertume, la colère et puis peut-être même de la, de la révolte et de la rébellion. Et vous êtes tombé dans un cycle. Et bien souvent, on tombe dans un cycle. Vos pensées, à ce moment-là, affectent votre humeur. Et votre humeur conditionne votre manière de voir et de comprendre les choses. Votre manière de voir et de comprendre les choses détermine votre langage. Et votre langage se répercute sur vos actions. Vous avez compris, vous êtes entré dans un cycle, dans un cycle de négativité. À cause d'un espoir qui n'est pas satisfait, vous êtes tombé dans un cycle... De, je dirais même, un cycle de malédiction, puisqu'on entretient, on entretient à cause de notre déception, notre tristesse, notre frustration, notre amertume, notre colère, notre révolte, on entretient ce, ce cycle, ce mauvais cycle. La Bible en parle, voyez-vous, mais Dieu, ce matin, il y a une bonne nouvelle, veut libérer ceux et celles qui sont dans un mauvais cycle. Dans la Bible, il est écrit, proverbe chapitre 13, verset 12, un espoir. Déçu rend le cœur malade, mais un désir réalisé est une source de vie. Un espoir différé, un espoir déçu rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit, ce qu'il y a au plus profond de ton cœur, quand ça aboutit, c'est un arbre de vie, c'est une source de vie. Et combien de personnes vivent avec des espoirs qui ne sont pas satisfaits vous l'avez compris, dans chacun de nos cœurs, dans le mien, dans le vôtre, dans celui de vos enfants, dans celui de vos frères, de vos soeurs, dans le cœur de l'humanité tout entière, il y a un espoir. Et ce matin, alors, j'aimerais m'entretenir avec vous, j'aimerais parler des stand-by du ciel. J'aimerais m'entretenir avec vous sur les délais de Dieu par rapport à ses promesses quand la situation reste en statu quo. Que faire que faire quand nous attendons la réalisation d'une promesse, quand nous attendons l'accomplissement d'une parole Tout simplement, que faire quand nous attendons l'intervention de Dieu dans une situation où Nous espérons. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui prient pour quelque chose et qui ne voient pas la chose s'accomplir. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui vivent des moments de difficulté, des moments de, 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 moments de détresse peut-être même, et qui n'obtiennent pas, et qui sont là entre une promesse reçue et l'accomplissement qui tarde à venir. Que faut-il faire Comment se positionner Premièrement, crois que l'Éternel ne t'a pas oublié dans ta situation. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Tu dois déterminer avec conviction et le croire, le confesser. Crois, mon frère, ma sœur, si tel est le cas, que dans ta situation, l'Éternel ne t'a pas oublié. Esaïe 49, au verset 14, il est écrit Sion, Sion disait, <laughs> attention, hein? Sion disait, et pas Sion disait. Vous me suivez toujours c'est de l'orthographe, hein, c'est du français. Sion disait. Alors quand on parle de Sion dans la Bible, on parle du peuple juif, on parle d'Israël, on parle de Jérusalem plus particulièrement, à tel point que Sion et Jérusalem deviennent des synonymes. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson N'a-t-elle pas compassion du Fils de ses entrailles quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Quelle déclaration puissante. Plus fort que l'amour d'une maman, je pense que dans ce monde, ça n'existe pas. Plus fort que l'amour d'une maman qui va se battre comme une lionne pour la survie de ses enfants, dans ce monde, il n'y a pas un amour plus humain, je parle d'un amour humain plus fort que ce que le Créateur a inscrit naturellement dans les entrailles d'une maman. D'ailleurs, la Bible, quand elle parle de compassion, de miséricorde, elle utilise un terme spécifiquement féminin. Quand on parle de compassion, de miséricorde dans la Bible, le terme hébreu pour parler de la compassion, de la miséricorde, c'est rachamim. Et rachamim, c'est l'utérus de la femme, c'est la matrice de la femme. On sait combien les, les mamans, elles ressentent. Vendredi, ma fille me téléphone et me dit Papa, euh, euh, tout va bien, ça m'a rassuré, mais je suis à l'hôpital. Du coup, ça ne m'a plus rassuré et j'ai une fracture, ça m'a encore moins rassuré. Et puis elle m'anticipe et elle me dit "Mais surtout ne, ne dis rien encore à maman parce que elle sait combien elle va le vivre avec ses entrailles et quand la bible parle des rachamim, c'est les, les entrailles d'une maman. Plus fort qu'une maman pour se battre pour ses enfants, je ne connais pas. Et cependant la bible dit que même si une femme abandonne son nourrisson, moi dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Tu m'appartiens et je ne pourrai jamais t'oublier. Mon frère, ma soeur, dans ta situation, dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes espoirs différés, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Parce qu'il ne peut pas t'oublier. Parce que sa nature, sa nature, c'est de ne pas t'oublier. Il est plus puissant l'amour de Dieu que l'amour d'une maman, avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes. Psaume 9, verset 13 nous dit, L'Éternel n'oublie pas. L'Éternel n'oublie pas le cri des malheureux. Depuis toujours, la trajectoire du peuple hébreu me fascine. Depuis toujours, aussi bien la trajectoire de ce peuple dans la Bible que dans l'histoire, post-biblique jusque dans nos jours, quand on étudie la trajectoire du peuple d'Israël, du peuple juif, on ne peut qu'être émerveillé et fasciné. C'est merveilleux de voir comment ce peuple a traversé les siècles, les difficultés, les tentatives de génocide, les tentatives d'extermination, l'antisémitisme qui, depuis l'Antiquité, combien on le découvre déjà dans la Bible, depuis Pharaon qui s'est opposé au peuple hébreu jusque dans les temps modernes avec les formes les plus modernisées de la politique qui veut absolument taper sur Israël. Et on peut voir alors que ce peuple a une trajectoire, une trajectoire unique. Il n'y a pas de peuple sur terre qui ont connu la trajectoire, le destin avec des rebondissements comme Israël. C'est unique au monde, ça n'existe pas. Un deuxième peuple, un peuple qui pendant 2000 ans a été privé de sa terre et qui cependant reste attaché à cette nation à la terre de ses ancêtres ça n'existe nulle part autrement dit israël est porté par un mot l'espoir à tikva à tikva l'espérance à tikva l'espérance est tellement ancrée dans la culture hébraïque que l'hymne national d'Israël qu'on a chanté avec Lysiane, eh bien, est devenu le titre de l'hymne national. L'hymne national israélien, c'est Atikva. Et le mot Atikva signifie l'espérance, l'espoir. En même temps, Atikva signifie une corde. Quand tu es au fond d'un gouffre, Personne ne peut venir te chercher sauf celui qui est descendu et qui te tend une corde. Et cette corde, dans ton désespoir, en hébreu, ça s'appelle tikva, comme l'espérance. Un peu comme si tu étais dans la détresse, tu es tombé dans un puits profond. Tu ne peux pas te, te tirer tout seul de ce pétrin. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as besoin de quelqu'un d'autre qui vient te sauver. Et 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 nous dit, Jésus-Christ est notre tikva. Jésus-Christ est notre espérance. Il est descendu, il a donné sa vie à la croix et il est venu pour nous sauver, pour sauver tous ceux qui sont dans la détresse. Si tu es dans la détresse, ton espoir, c'est en Jésus que tu dois le placer. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la trajectoire particulière du peuple, du peuple juif, du peuple israélite, qui pendant près de 2000 ans a connu des situations véritablement hors norme hors de la normale en l'an 70 après Jésus-Christ le temple de Jérusalem a été détruit par les romains Titus est descendu en terre d'Israël et là le temple a été détruit conformément à ce que Jésus avait prophétisé il ne restera pas de ces bel édifices pierre sur pierre que tout ne soit renversé quelques décennies plus tard en 135 à l'époque de l'empereur Adrien, les Romains sont à nouveau redescendus suite à une révolte juive menée par un certain Barkorva. Et en 135, après Jésus-Christ, les Romains ont, dans une deuxième vague, également chassé tout ce qui pouvait avoir une connotation juive dans, la, dans le pays, dans la ville de Jérusalem. Et de façon encore plus excessive, en 135, les Juifs ont été expulsés, chassés et persécutés. Et pendant 2000 ans, on l'a chanté tout à l'heure et on le rechantera après, pendant 2000 ans, les Juifs ont été errants. Sans pays, sans patrie, dispersé au milieu des nations, loin de Jérusalem, la ville sainte. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Il a gravé ton nom dans la paume de ses mains. La Bible dit J'ai gravé ton nom. Et cette promesse, elle est pour chacun de nous, mais elle est aussi pour son peuple, pour Israël. Au XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est certainement le moment de l'histoire pour le peuple juif le plus sombre, le plus noir, extermination de 6 millions de juifs, au XXe siècle, entre 1939 et 1944, il y a quelques 6 millions de juifs, tout simplement parce qu'ils étaient juifs, ont été gazés, ont été exterminés dans les chambres à gaz. Un peuple qui jusque-là n'avait pas encore un pays. Et puis, retournement de situation. C'est toujours quand la période semble être la plus sombre, quand l'épreuve est à son paroxysme, que le dénouement va avoir lieu. Et le 14 mai 1948, à peine 4 ans après, après la fin de la guerre et la fermeture des camps, l'État moderne d'Israël est reconnu aux Nations Unies comme étant un État indépendant. Le 14 mai 1948, l'indépendance d'Israël est proclamée. 19 ans plus tard, en 1967, lors de la guerre des six jours, Jérusalem est à nouveau sous contrôle israélien, à nouveau unifiée, la parole de Dieu s'accomplit, les promesses de Dieu se réalisent, les prophéties de la Bible sont une réalité. Ézéchiel 37, verset 11 nous parle de ces prophéties qui s'accomplissent. Et nous sommes une génération qui voit les prophéties de la parole de Dieu s'accomplir. De nos yeux, nous pouvons voir les prophéties s'accomplir. Ézéchiel 37 au verset 11, il est écrit, il me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance, tic nous Tikva, notre espérance, Tikva nous s'est évanouie. Nous sommes perdus. Eh bien, prophétise. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes. Je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Mon frère, ma sœur, quel discours tu tiens dans tes épreuves, dans tes difficultés, lorsque tu attends un dénouement et qu'il n'est pas encore là Quand la situation est difficile pour toi, quand tu as le sentiment que la vie a oublié de te faire un sourire. Des fois, certaines personnes portent la tristesse, c'est marqué. On a l'impression que la vie a oublié de leur faire un sourire. Eh bien, si c'est ton cas ce matin, si comme les Israélites, tu es amené à dire nos eaux sont desséchées. Les eaux dans la Bible, c'est le symbole de la force. Tu n'as plus de force. Tu es desséché. Notre espérance s'est évanouie. Nous sommes perdus. Dans ta situation, tu te sens dépassé, tu te sens perdu et tu manques d'espérance, de, tu ne sais plus voir ton avenir. Quand ta situation est bloquée comme ça, accroche-toi aux promesses de Dieu. Accroche-toi comme les Juifs, pendant 2000 ans, se sont accrochés aux promesses de Dieu. Il est raconté dans l'histoire moderne qu'un jour, Napoléon est tombé sur. Euh, deux juifs qui, qui étaient en train de pleurer le 9 du mois de Av dans le calendrier hébreu, qui est de, un jour qui commémore le deuil de la destruction du temple. Et Napoléon est tombé sur ces deux juifs et il s'est inquiété de savoir pourquoi ils pleuraient. Et ces deux juifs lui ont dit qu'ils pleuraient pour la destruction du temple de Jérusalem 17 siècles auparavant. Et voici la déclaration de Napoléon. Un peuple qui, 17 siècles plus tard, pleure encore pour la ville de Jérusalem, mérite la ville de Jérusalem. Jamais ils n'ont oublié les promesses de Dieu. Dans tes difficultés, quand tu ne vois pas la solution à ton problème, garde au fond de ton cœur la promesse de Dieu qui te dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas dans tes difficultés. Je ne t'ai pas oublié au fond d'un trou. Je t'ai gravé. Ce matin, c'est une déclaration d'amour que chacun doit entendre. C'est Dieu qui te dit Je t'ai gravé sur mes mains. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Quelle plus belle déclaration vous attendez de la part de Dieu que celle-là Vous êtes gravé sur ses mains. Mon frère, ma sœur. Comme Israël, la première chose que tu dois faire, que nous devons faire, quand nos espoirs sont différés, quand nous sommes déçus de ce que nous ne voyons pas s'accomplir, les promesses de Dieu, garde au fond de ton cœur cette conviction, crois que l'Éternel ne t'a pas oublié. Même si autour de toi, on t'a oublié. Même si ta propre mère t'a oublié. Même si ta propre mère t'a rejeté. Crois que l'Éternel te dit... Même si ta mère t'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublie pas. La Bible dit en Jérémie 31, verset 17, Il y a de l'espérance pour ton avenir. Yesh Tikva. Il y a du Tikva pour toi ce matin. Et j'aimerais ce matin vous dire, il y a du Tikva dans chacune de vos situations. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Quand Jérémie prononcer cette parole la situation était au plus sombre tout autour de lui était désolation jérémie c'est un prophète qui a annoncé l'exil Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui de force vous fait sortir et vous amène dans un pays lointain, à 1500, 2000 kilomètres d'ici. Vous êtes privé de votre maison, vous êtes privé de vos familles, de vos repères et vous êtes exilé. Et pendant 70 années, vous êtes loin de votre maison, loin de votre pays, loin de vos repères. C'est ce qui est arrivé à l'époque de Jérémie. Les Babyloniens sont arrivés à Jérusalem et c'est à ce moment-là qu'ils ont été exilés. Et pendant 70 années, les Juifs ont été exilés à Babylone. C'est toute la période des prophètes Ézéchiel, du prophète Daniel, c'est cette période-là. Une, une période, certainement dans la Bible, une des pages les plus sombres de l'histoire. Pourtant, Israël est le peuple de Dieu. Mais Israël n'a pas été épargné par des moments comme ceux-là. Et lorsque Jérémie, alors au chapitre 31, annonce, il y a de l'espérance pour ton avenir, tout autour de lui disait le contraire. Autour de lui, il y a des pleurs. Regardez avec moi, Jérémie 31 au verset 17, et vous regardez le verset 15. Au verset 15, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils car ils ne sont plus. Au verset 15, qu'est-ce qu'on trouve Des pleurs. On trouve des larmes. On trouve une maman, Rachel, qui pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus, parce qu'ils sont dévorés par l'épreuve, par les difficultés, par l'oppression. Au verset 18, regardez ce qu'il est écrit. J'entends Ephraim qui se lamente. Tu m'as puni et j'ai été puni comme un veau qui n'a pas été dompté. Il y a des lamentations. Au verset 15, il y a des pleurs, il y a des larmes. Au verset 18, il y a des lamentations. La situation est sombre, elle est noire. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de repère. Mais au cœur de ces deux versets, entre le verset 15 et le verset 18, il y a une lueur d'espoir qui vient de la part du prophète, de la part de Dieu. Il y a le verset 17 qui résonne, qui retentit, alors que tout semble être complètement perdu, fichu. Des pleurs, des larmes, des lamentations, au cœur de tout ça, il y a de l'espérance pour ton avenir. Waouh! Je vais m'adresser à ceux qui pleurent en ce moment. Je vais m'adresser à ceux qui se lamentent sur leur situation. Tu es dans une situation, tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Tu t'es engagé dans les voies de Dieu et tu te retrouves dans les difficultés. Et les difficultés commencent à peser sur toi et ça affecte ton humeur, ça affecte ta, ta, ta perception, ton, ton humeur, ton langage, tes actions. Tout est conditionné par ça. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas conditionner par la situation présente, mais rattache-toi à la promesse de Dieu. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce matin, je déclare dans la vie de chacun, il y a Tikva. Tikva pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a Tikva et Tikva, c'est Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Reprenez toutes les promesses de l'Évangile. Je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, même quand la situation est sombre, même quand tu traverses les difficultés, même quand autour de toi, il y a des larmes, des pleurs, il y a des lamentations, il y a Tikva qui retentit. J'aimerais que ce mot, Atikva, l'hymne national israélien Atikva, puisse retentir au fond de votre cœur. Ce matin, quelqu'un doit ressusciter une situation. Le peuple d'Israël était là et il disait, notre espoir s'est évanoui, nos os sont complètement desséchés, nous sommes perdus, mais la parole de Dieu vient comme une promesse. Je vous ferai remonter de vos tombes, je vous rétablirai sur votre territoire. Ce matin, il y a une résurrection qui doit s'opérer quelque part dans les cœurs de quelques personnes. Ce matin, il y a peut-être une situation que tu dois ressusciter. Ce matin, il y a un rêve qui a été mis de côté que tu dois ressusciter. Ce matin, il y a certainement un ministère, une passion qui doit ressusciter. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu qui dit devant une tombe Lazare, sors Et Lazare est sorti. C'est le Dieu qui ne s'arrête pas devant une tombe, c'est le Dieu qui ouvre les tombes. Et cette prophétie d'Ézéchiel, j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai remonter et je vous rétablirai. Il y a un rétablissement. Quand tu t'accroches à la promesse de Dieu, tu t'accroches à ce rétablissement. Premièrement, mon frère, ma sœur, crois que Dieu ne t'a pas oublié dans ta situation. En Exode, chapitre 3, verset 7, il est écrit... L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple. On est dans un autre moment de l'histoire d'Israël. On est à la période de Moïse ici. Et pendant quatre siècles, pendant quatre cents ans, le peuple a été esclave en Égypte cette fois. Vous savez quand la Bible parle de l'Égypte, c'est toujours en opposition par rapport à Israël. L'Égypte, c'est le pays de la confusion, c'est le pays de l'oppression, c'est le pays. En hébreu, Égypte se dit Mitsraïm, et Mitsraïm, ça vient d'une racine hébraïque tsarar, qui signifie affligé, angoissé. Donc, le pays d'Égypte incarne, c'est un prototype de tout ce qui est affliction dans nos vies. Et pendant 400 ans. Les Israélites ont été esclaves, asservis, angoissés, affligés par les pharaons, par le pays de Mitsraïm, par le pays d'Égypte. Égypte, c'est l'antithèse d'Israël. De la même manière dans la Bible où Jérusalem et Babylone sont des antithèses. Il y a un pays qui est l'antithèse d'un autre pays, l'Égypte et Israël. Et il y a deux villes qui sont l'antithèse l'une de l'autre. Il y a Babylone, Babel, qui est la confusion. Et il y a Jérusalem, Yerushalayim, qui est la ville de l'harmonie, du shalom. Et c'est là que Dieu nous veut. Mais en ce moment, peut-être que tu es à Babylone, peut-être que tu es dans la confusion. Et que tu te retrouves comme avec Jérémie, dans une situation où tu es loin de tes repères, tu es loin de la situation rêvée, idéale, et tu souffres, et tu te lamentes, et tu, tu prends sur toi, et tu te décourages. Mon frère, et ma sœur, quand ils étaient à Babylone, les Juifs tournaient les regards vers Jérusalem. Psaume 137. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie et que ma langue se colle à mon palais. Regardez le psaume 137, il est rempli, rempli d'espoir. Alors qu'on est loin de la réalisation, le psaume 137 nous dit combien euh, les Juifs là-bas, déportés à Babylone, qui étaient au bord du fleuve Kébar, là, ils tournaient leurs yeux vers Jérusalem. Psaume 137, on va le lire ensemble à partir du premier verset. Psaume 137. Au verset 1, auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions et nous nous souvenions de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Il y a de la moquerie dans ce texte. Les bourreaux disent allez-y maintenant. Chantez vos cantiques. Allez-y, quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans l'épreuve, tu auras toujours quelqu'un qui viendra te dire Allez, vas-y maintenant, chante tes louanges. Allez, vas-y maintenant, mets du Danleuten, chante. Allez, vas-y maintenant, mets du Hillsong, chante, chante tes louanges. C'est de la moquerie là. Regardez comment les bourreaux viennent, ils viennent piquer les juifs qui sont là au bord du fleuve en train de pleurer vers Jérusalem. Si je t'oublie, Jérusalem, au verset 5, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Vous voyez combien ils étaient attachés alors qu'ils en étaient privés, alors qu'ils étaient à Babylone, ils étaient attachés à quelque chose d'harmonieux. Quand tu es dans la confusion, Babel, Babal, Balal en hébreu, c'est la confusion. Quand tu es dans une situation chaotique, ne reste pas là. Dieu ne t'a pas fait pour cette situation-là. Dieu te veut à Jérusalem, Dieu te veut dans une ville de paix, Shalom, Yerushalayim, ville de paix, Dieu te veut là. Dieu veut que tu prospères là, à Jérusalem. L'Égypte, c'est l'antithèse d'Israël. Et à l'époque de Moïse, c'était le même scénario. L'histoire est répétitive, l'histoire se répète. En Exode chapitre 3, au verset 7, il est écrit L'Éternel dit J'ai bien vu la misère de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri. Peut-être que tu te dis en ce moment. Dieu m'a oublié et Dieu n'entend même plus mon cri. Et tu t'es découragé même dans tes prières. Tu as arrêté de prier parce que tu te dis, ma situation est perdue. Ma cause, personne ne la défend. Je suis sans force, je suis privé de cette espérance, de cette tikva va tellement chère. Mais Dieu te dit ce matin qu'il voit ta misère. Il voit et il entend ton cri. C'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend. Et regardez ce qu'il est écrit. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Dieu ne t'a pas fait pour que tu restes en Égypte, dans la misère, dans la souffrance, mais Dieu t'a destiné à un pays découlant de lait et de miel. Mon frère, ma sœur, tu as compris dans ce texte, regardez tous les verbes qui désignent ce que Dieu fait. Dieu voit, Dieu entend, Dieu descend. Il descend pour te faire monter. Mon deuxième point, c'est Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Dieu connaît l'état de ton cœur maintenant. Dieu sait ce que tu es en train de souffrir en ce moment. Dieu voit ta souffrance, il entend ton cri. Même celui que personne n'entend, lui, il l'entend. Le cri silencieux, celui où tout seul... Tu ne le fais entendre à personne ce cri. Et Dieu vient te dire ce matin J'ai entendu le cri de ton cœur. Celui que tu n'exprimes pas par fierté, Dieu vient et il te dit Je l'ai entendu ce cri. Il connaît tes douleurs, mon frère, ma soeur. Il connaît tes déceptions. Il sait à quel moment tu as été blessé. Il sait pourquoi ta vie s'est comme arrêtée à un épisode. Il connaît tout. Il sait tout de toi. Et ce matin, il te dit, je suis descendu. Et regardez ce qu'il fait. Remarquez avec moi, quand Dieu descend, c'est pour que tu puisses monter. Je suis descendu afin de le faire monter. Ce mouvement de descente et de remonter, c'est le mouvement de la croix. Jésus est descendu, lui, Philippiens chapitre 2 verset 5, lui qui de toute éternité, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même et il est descendu, il s'est vidé de ses attributs et il est descendu, il est venu mourir sur la croix, il a pris la, la forme d'un serviteur. Et plus que la forme, il a été non seulement la forme extérieure, il a été le serviteur par excellence. Il est descendu jusqu'à la croix pour que tu puisses remonter avec lui dans la gloire. Tu n'es pas destiné à rester dans l'échec, tu n'es pas destiné à rester en Égypte. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu afin que tu montes. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu es dans les difficultés, si tu traverses des, 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 des périodes de souffrance, raccroche-toi à toutes ces promesses pendant 400 ans pendant 400 ans les israélites le peuple hébreu étaient en esclavage en égypte Vous savez ce qu'il a maintenu pendant 400 ans les promesses de dieu les promesses de dieu la promesse faite à abraham la promesse faite aux patriarches la promesse faite au premier cette promesse-là les a accompagnés et ils ont cru pendant 400 ans ils ont continué à croire qu'un jour leur délivrance allait arriver. La promesse faite à Abraham, nous sommes entrés dans cette promesse par la foi en Jésus. L'être humain, en réalité, l'être humain est capable de survivre dans les pires conditions. 400 ans d'esclavage, ce pas les conditions idéales, ce n'était pas le Club Med. Certains rêvent d'aller en vacances à la mer Rouge en Égypte pour voir les fonds marins et pour aller passer du beau temps là-bas au soleil. Mais pour les Israélites, ce n'était pas le Club Med, je vous rassure tout de suite. C'était une situation de souffrance, une situation extrême. Eh bien, l'être humain, il est capable de s'adapter aux pires situations, aux situations extrêmes. L'être humain, il est capable de s'adapter, pourvu qu'il n'ait pas perdu l'espoir. Dès qu'il perd l'espoir, même une situation banale devient une, un drame. Tant que tu as gardé l'espoir au fond de ton cœur, tu peux traverser les situations les plus intenses, les plus excessives, parce que cet espoir, c'est comme une encre dans ton âme. Cet espoir, c'est un ressort qui te permet de rebondir. Quand l'espoir, comme un ressort qui est détendu, comme un ressort qui est brisé, quand l'espoir vient à mourir, c'est la fin. Ce matin... J'aimerais te dire que Dieu veut ressusciter un espoir dans ton cœur. Ce matin, de la part de Dieu, premièrement, rappelle-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Deuxièmement, rappelle-toi que Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. J'ai vu ta misère, j'ai vu tes larmes dans ta maison. Je sais pourquoi tu te bats, je sais pourquoi tu es en train de désespérer. J'ai vu ta misère et je veux te sortir de cette misère. Comme avec Moïse. Troisièmement, quand tu es dans une situation d'attente et que tu ne vois pas l'accomplissement des promesses de Dieu, quand elles tardent à venir, dis-toi que Dieu a déjà commencé un mouvement en ta faveur. Rappelle-toi que même si tu ne le vois pas, Dieu a déjà commencé, dans le monde invisible, il a déjà commencé son mouvement de restauration. Tu dois le croire! Dans le monde invisible, Dieu a déjà commencé cette restauration. Vous savez quand vous plantez un bambou, vous l'arrosez et puis vous regardez, vous dites j'ai l'espoir qu'il pousse. Et puis votre espoir, il est déçu. Parce que au bout d'un an, il n'y a toujours rien. Le bambou, vous le voyez pas sortir. Et puis vous dites j'ai encore de l'espoir. Et vous continuez à l'arroser, vous mettez de l'engrais, et vous espérez. Et le bambou, au bout de deux ans, il ne sort toujours pas. Alors là, vous commencez à vous inquiéter. Et au bout de trois ans, vous avez continué, et il y a toujours pas de bambou. Au bout de quatre ans, vous arrosez votre lopin de terrain, où vous avez planté votre bambou, mais il n'y a toujours pas de bambou. Et là alors, vous dites, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le bambou Au bout de quatre ans, il n'y a encore aucune, aucune manifestation de vie. Et puis au bout des cinq premières années, au bout de la cinquième année, tout d'un coup, le bambou va émerger. Et en quelques semaines seulement, le bambou va atteindre des hauteurs des, des impressionnantes, jusqu'à 10, 15, 20 mètres de haut en l'espace de quelques semaines. Pendant 4 ans, tu avais perdu l'espoir, mais dans le monde invisible, Dieu était déjà en mouvement, parce que les racines du bambou, elles étaient en train d'aller en profondeur. Ton œil ne les voyait pas. Ton œil ne voyait pas ce que Dieu était en train de faire dans le monde invisible, mais de façon inattendue. Presque du jour au lendemain, parce que c'est comme ça avec le bambou. Presque du jour au lendemain, vous voyez une plante qui sort de terre et après, autant vous avez galéré pendant quatre ans, autant vous avez désespéré pendant quatre ans. Vous avez investi, vous avez espéré sur une situation. Vous êtes découragé. Peut-être que vous avez arrêté de l'arroser. Peut-être que vous avez arrêté. Vous ne croyez pas que dans cette situation qui est la vôtre, il peut se passer quoi que ce soit. Mais au bout de la cinquième année, votre bambou va émerger. Mon frère et ma soeur croient que dans le monde invisible, le mouvement de Dieu, il est déjà amorcé. Est-ce que tu le crois ça Dans le monde invisible, même si tu ne vois pas, Dieu a déjà commencé. Le mouvement de Dieu vers toi, il est déjà lancé. Il descend vers toi pour que tu remontes. Il vient te chercher là où tu es. Ce matin, l'Esprit de Dieu me pousse à te dire, prépare-toi au changement. L'Esprit de Dieu me pousse à te dire, quitte ton Égypte. Sors de ta tombe, continue à arroser ton bambou, continue à croire, même si tu ne vois pas de tes yeux, continue à croire que la promesse de vie est plus forte que celle de la mort. Continue à croire et à confesser. Commence à changer dans cette situation-là, commence à changer ta façon de voir les choses, commence à changer ta mentalité. Ne t'installe pas dans une mentalité, dans le cycle de la négativité. Ne t'installe surtout pas. Commence à changer ton langage. Parle comme Dieu parle. Utilise le langage de Dieu. Utilise le langage de l'espoir. Mets du tikva dans ta vie. Et surtout, ne le lâche pas. Enclenche le correcteur. Tu dois corriger certaines choses dans ta vie. Certains paramètres doivent être corrigés. Attention, méfiez-vous de certains correcteurs. Il y a des correcteurs qui sont des moralisateurs. Job, il avait des correcteurs à côté de lui. C'était ses trois amis qui sont venus lui faire la morale. Méfiez-vous de certains moralisateurs que vous pouvez rencontrer quand vous êtes dans les difficultés, dans les épreuves. Méfiez-vous des correcteurs faciles. Il y a quelques jours, j'étais en train d'écrire un texte. Et j'ai voulu signer Pasteur Giuseppe Carozzo, et mon correcteur automatique a écrit Pastèque Giuseppe Carozzo. Même mon téléphone veut me, dé me faire déprimer. Pastèque Giuseppe Carozzo, correcteur d'orthographe. Méfiez-vous de certains correcteurs. Vous n'êtes pas une pastèque. Je ne suis pas une pastèque. J'ai planté un bambou et c'est du bambou qui doit sortir. J'ai encore une pastèque d'Italie, on l'a ramenée, elle est encore à la maison, elle est sûrement en train de pourrir à l'intérieur, elle est là comme une pièce d'ornement, de garniture. Hier, nous étions à une soirée de gala à Charleroi, organisée à l'occasion du dixième anniversaire des bâtisseurs d'espoir, une organisation de, de mon ami Paolo Laveca. Et nous étions là à table, passions une merveilleuse soirée lancé dans une conversation passionnante. On était avec Salvatore, Antonella, quelques jeunes du CTS, et on, on était dans les hautes sphères de la théologie, on discutait, c'était passionnant, c'était bien animé. Il y avait une bouteille de vin qui vient de ma région des Pouilles en Italie sur la table. Donc vous comprenez qu'avec une bouteille de vin qui vient de ma région, ben, euh, il y avait un verre qui était servi. Je ne sais pas pour qui d'ailleurs, mais il était là devant moi. Donc quand il a était de là devant moi, j'ai commencé un peu à le boire. Et au fait... Euh, euh, le verre, tout d'un coup, il a basculé sur ma chemise, sur ma veste et sur mon pantalon. Il y a des moments où ça bascule et que ça ne bascule pas comme ça devrait basculer. Et là, je me suis retrouvé devant tout le monde, même les gens autour de nous, dans la table. Hein. Certains m'apportaient des lingettes pour bébé, pour m'essuyer, pour me tamponner. J'avais ma chemise, mon pantalon, ma veste, tout le vin tombé sur moi. Il y a des moments comme ça où ça bascule et que ça ne bascule pas du bon côté. Vous l'avez entendu, ma fille, vendredi soir elle me téléphone pour me dire j'ai basculé, j'ai pas basculé du bon côté. Mardi, j'étais en train de prier avec quelqu'un, avec un frère qui est dans une période de sa vie très douloureuse. Il est en train de passer des épreuves. Un jour, il est en moto et sa fourche, alors qu'il est en train de conduire, elle explose. Il se retrouve avec le bras cassé. Il achète un chien pour lui tenir compagnie. Et son chien, il est en clinique vétérinaire, atteint d'une maladie infectieuse au rein. Et ce frère était dans la détresse. Et il y a des moments comme ça dans la vie où ça bascule. Mais de la part de Dieu, je veux encourager Elisa, ma fille qui a basculé du mauvais côté, une mauvaise chute à cheval, fracture de l'humérus. Je veux encourager mon frère, Rocco, qui traverse des difficultés. Et tous les gens comme Rocco, comme Elisa, qui ont basculé. Dans une situation d'épreuve, de douleur, de misère, de souffrance, de questionnement, j'aimerais te dire de la part de Dieu, premièrement, Dieu ne t'a pas oublié. Deuxièmement, il considère ta souffrance. Et troisièmement, Crois que dans le monde invisible, Dieu est occupé à te relever, à te restaurer et à te rétablir. Comme il l'a dit à travers Ézéchiel, je vous rétablirai sur votre territoire. Et votre territoire, c'est le territoire de la bénédiction. Alors ce matin, j'aimerais faire un appel. J'aimerais vous dire que si moi, à cause de... Je suis italien, je parle avec les mains, et bien des fois ça me joue des tours. Avec ma main, j'ai fait tomber le verre. C'est moi qui ai fait tomber le verre, C'est pas le verre tout seul. Et des fois, à cause de ce qu'on est, ben on peut provoquer des situations euh, malencontreusement. Mais j'aimerais vous dire alors ce matin, et je crois fermement que s'il y a des personnes dont la vie a basculé, je sais qu'il y en a d'autres ce matin qui entendent ce message, la vie a basculé, mais pas de la meilleure façon qui soit, j'aimerais te dire de la part de Dieu, et j'en suis intimement convaincu, qu'il y a un moment. Un moment précis où tu vas basculer du bon côté si tu places ta confiance en Dieu. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, 1944, c'est terminé. 6 millions de Juifs ont été exterminés. C'était un tiers de la population juive à l'époque. En 1940, il y avait trois fois plus de Juifs. Un tiers a été exterminé. Il y avait 18 millions de Juifs, il y en a 6 qui ont été gazés. Vous imaginez ce que ça veut dire Eh bien, j'aimerais vous dire que, comme pour Israël, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de l'épreuve la plus douloureuse, il y a un espoir, il y a un pays, il y a une déclaration devant les Nations Unies le 14 mai. 1948, l'État d'Israël, ils ont un pays, ils ont une patrie. Et en 1967, il a fallu attendre encore 19 ans Jérusalem a été à nouveau, comme à l'époque de David, reconquise. Et à nouveau, le peuple juif est sur ses terres, conformément aux promesses de Dieu. Il y a un moment où ça bascule il y a un moment où les pages sombres, mon frère. Les pages sombres de ton histoire que tu es en train de vivre en ce moment, il y a un moment où ces pages sombres vont s'arrêter. Place ta confiance dans le Dieu de l'invisible. Place ta confiance dans le Dieu qui te dit, il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour votre avenir. Vous êtes peut-être entré dans un cycle de négativité. Vos pensées affectent votre humeur, votre humeur affecte vos pensées, votre manière de percevoir, de comprendre, peut-être même de regarder les autres autour de vous. Vous leur prêtez des intentions qu'ils n'ont pas. Vous portez un jugement peut-être de valeur sur des personnes qui, qui ne méritent pas ce jugement de valeur. Pourquoi Parce que vous êtes entré dans un mauvais cycle. Mais ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu que le cycle du négatif peut s'arrêter pour que tu entres, non pas dans une bénédiction, mais dans un cycle de bénédiction. Un cycle de bénédiction. Pas simplement, je suis béni aujourd'hui, je suis au culte, on a eu une belle louange, la parole de Dieu m'a édifié, et je suis béni, et puis je rentre chez moi, et l'effet de la bénédiction s'évanouit. Non, ce que tu as reçu ce matin dans cette église, aujourd'hui, entretiens-le et entre dans un cycle un cycle positif, un cycle de bénédiction, où tu vas planter ton bambou et tu vas voir la récolte de ton bambou. Comme Isaac, Genèse 26, il est écrit au verset 12 qu'Isaac, cette année-là, il planta. Lui aussi, il était dans une période difficile de sa vie. Isaac était dans une période de famine. Et quand la Bible parle de la famine, souvent, ça ne se passe pas bien. Abraham, à cause d'une famine, s'est retrouvé en Égypte. À l'époque de Ruth. Il y avait une famine à Bethléem. Et Abimélek, le mari de Naomi, s'est retrouvé à Moab, loin de Bethléem. Bethléem, la maison du pain, Moab, loin du Père. Ils se sont éloignés. À cause d'une famine, des fois, on fait des choix. Et Isaac était en train de faire un mauvais choix. Isaac était en train de basculer dans un cycle de négativité. Et ce cycle de négativité, Dieu est venu le stopper, et lui a dit, en Genèse 26, regardez avec moi, je, je, Dieu lui-même lui dit, ne fais pas le choix, ne fais pas l'erreur que ton Père a faite. Au verset 1, il est écrit, il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, Isaac à Laber-Abimélek, roi des Philistins, Guérard. L'Éternel lui apparut et lui dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays ici et je car c'est à toi et à ta descendance que je le donnerai. Toutes ces terres, je tiendrai ainsi ma promesse. Je tiendrai mon serment. Et au verset 12 alors, il est, il est écrit le cycle de bénédiction dans lequel Abraham euh, Isaac est entré. Je ne vous souhaite pas de recevoir une bénédiction. Je vous souhaite d'entrer dans un cycle de bénédiction. Et regardez le cycle, il est là. Au verset 12, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le Béni. L'obéissance d'Isaac, ne pas sombrer dans le découragement à cause de la famine, va le pousser à semer. Et ce qu'il a semé, la, la, la croissance, la multiplication, c'est une bénédiction exponentielle. Quand dans tes difficultés, tu continues à semer, de ces difficultés dans lesquelles tu te trouves, si tu ne te laisses pas attraper par le découragement et perdre ton espérance, ton éobéissance, Dieu va la multiplier. Et ce que tu auras semé sera multiplié par 100. Mon frère, et ma sœur, entre dans un cycle de bénédiction. Vous imaginez une graine qui en rapporte 100, les 100 graines qui en rapportent 100, les 100 graines, graines qui en rapportent encore 100. Vous imaginez à cause, à partir d'une petite graine, ce que vous pouvez planter et récolter Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, il y a quelque chose qui doit ressusciter en toi. Isiane, Tikva, à Tikva, il y a quelque chose qui doit ressusciter en toi. Et je voudrais simplement faire un appel alors, ce matin. Ceux qui traversent des périodes. Des difficultés, des épreuves, ceux qui ont le sentiment d'être à Babylone, dans la confusion, en Égypte, sous l'oppression, ceux qui voudraient mais qui n'arrivent pas. Ce matin, crois que le Dieu de l'invisible est déjà en train de travailler tes racines. Et je voudrais simplement qu'on ferme les yeux et qu'on puisse être porté par cette euh, atikva Vous l'avez compris, atikva c'est tellement fort chez les hébreux qu'ils ont décidé que l'hymne national israélien porterait ce nom. L'espoir de tout un peuple. Tikva, atikva, atikva c'est aussi une corde à laquelle tu peux t'accrocher. Quand tu penses sombrer, mon frère, ma sœur, accroche-toi à cette corde. Cette corde, c'est plus que quelques brins torsadés. Cette corde, c'est Jésus qui descend dans ta misère. Je suis descendu pour que tu remontes. Ce matin, si tu as le sentiment d'être descendu quelque part dans ta vie, alors tu peux te lever là où tu es, saisir cette corde, cette attique, va. Jésus, notre espérance, il revient bientôt. Croyez, quand vous verrez toutes ces choses négatives autour de vous, croyez que votre délivrance est proche. Ce matin, je voudrais faire un appel pour tous ceux qui sont descendus bas et qui ont besoin de remonter. Lève-toi là où tu es. Tiens-toi debout dans cette église, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je te prie, Père Saint, dans le nom de Jésus, pour ceux et celles qui ont besoin de réactiver l'espérance dans leur cœur. Je te prie, Père Saint, pour ceux et celles qui ont basculé du mauvais côté, dans le découragement, dans les lamentations peut-être. Je te prie pour ceux qui pleurent en ce moment. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin de voir leur bambou pousser et porter du fruit. Je te prie pour ceux qui ont persévéré et qui cependant n'ont pas encore obtenu la récompense et le fruit de leur persévérance. Je te prie Seigneur afin que tu bénisses chacun. Il y a des personnes qui sont tombées au fond d'un trou et qui ont du mal à se re ressaisir. Ta parole nous dit ce matin. Premièrement, que tu ne nous as pas oubliés et que tu ne nous oublieras jamais. Deuxièmement, ta parole nous rappelle que tu n'es pas insensible à notre souffrance. Et troisièmement, ta parole nous rappelle que tu es déjà occupé à œuvrer. Le mouvement de Dieu est déjà enclenché sur ta vie dans le monde invisible, comme les racines du bambou. Reçois cette bénédiction, mon frère, et ma sœur. Tu as été déçu, tu as été blessé. Ne perds pas ton espérance. Ton espérance est glorieuse. En Christ, ton Dieu, ton Sauveur, je veux te bénir au nom de Jésus. Reçois cet espoir nouveau dans ton cœur. Que tes yeux s'illuminent de lumière, de joie. Que ton visage soit rayonnant maintenant et que tu puisses entrer dans un véritable cycle de bénédiction où ce que tu auras semé produira plus de cent fois, et ce que tu auras semé cent fois produira encore plus mille fois, et que tu verras le moment où ça va basculer pour toi, du bon côté. Il y a eu des temps, des pages sombres dans ta vie, mais ce matin, l'Éternel déclare c'est l'aube d'un jour nouveau. Ce matin, il y a une nouvelle histoire qui peut commencer dans ton cœur. Place ta confiance en Jésus. Il est ton Sauveur. Il est ton Dieu. À lui soit la gloire. Amen. Tant que notre âme juive vibre pour toi, tu la protèges par ton bras puissant. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.